J'ai rêvé de cette entrée en mode rockstar. Alors je vais la refaire. Bonsoir public! Au nom des choristes, danseurs et musiciens, je vous souhaite la bienvenue pour ce concert anniversaire. C'est une grande fierté, en tant qu'ancienne musicienne de la Voix du Léman, de présenter cette soirée. Et j'ai une pensée pour mon grand-père, Joseph Paria, membre fondateur de la musique et qui lui a donné son nom. En cette année olympique, la Voix du Léman aurait pu fêter ses 100 ans à l'Olympia. Mais comme c'était déjà réservé, c'est la salle Olympe qui a été préférée.
Est-ce que vous vous rendez compte que ce soir, entre vous, le public, les artistes, les techniciens, nous sommes environ 1200 dans cette salle, soit la population totale de Publiés en 1924. (rire) 1924-2024, 100 ans de musique à publier. Une partition d'amitié et de partage qui continue de s'écrire. Ce soir, je vais donc vous parler de la voix du Léman, de ma voix du Léman, de notre voix du Léman et de ces petites anecdotes qui ont fait son histoire. Alors, comme 50 ans plus 50 ans, ça fait 100 ans, en ce début de concert, j'adresse un petit clin d'œil à deux musiciens, Jean-Yves et Raymond, qui à eux deux totalisent plus d'un siècle de voix du Léman et qui continuent de vivre allegro crescendo sans passer d'acapo al coda. Cette soirée est dédiée à tous les chefs, présidents, toutes les musiciennes, tous les musiciens qui au cours de ces 100 ans ont marqué l'histoire de la voix du Léman de leur empreinte. Nous avons une pensée particulière pour Anselme, chef emblématique de la voix du Léman, qui a transmis, après plus de 40 ans de service, la baguette en 1986, date de création de la comédie musicale The Phantom of the Opera.
qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes Monsieur Fantôme? Est-ce que vous connaissez Publié? Est-ce que vous aimez vous déguiser? Est-ce que vous souhaitez dire quelques mots? Non, je ne suis pas le fantôme d'Anselme. Je ne suis pas le fantôme d'Anselme. Je vais essayer d'être son esprit. Les fantômes sont aussi obligés de porter des lunettes. C'est comme ça. 7 ans après sa création, Anselme Châtelnaze intégrer la clique paroissiale fondée en 1924 par Joseph Paria et le père Joubert. Voici ce qu'il disait de sa motivation à son petit-fils Clément Besson en 2016. « Rien ne sert de vivre sans passion. Je ne t'ai jamais raconté comment la musique a changé ma vie. Tout commença avec une clique d'une vingtaine de tambours et clairons. Les clairons avaient appris cet instrument à l'armée. Il fallait pourtant des jeunes pour les accompagner. Je les rejoignis à 12 ans avec l'autorisation de mes parents. C'était l'occasion d'égayer ma vie assez monotone, car tournée exclusivement vers la terre. Je fus rapidement gagné par l'enthousiasme et je compris vite que seul l'entraînement me permettrait d'être le meilleur. Ma chance fut que Alexis Ménet décida de prendre en main les jeunes et ouvrit un cours de solfège gratuit. C'était un très bon trompettiste qui voulait faire quelque chose pour la société et qui disait sans cesse « La musique adoucit les mœurs ». Il me donna une trompette qui devint ma meilleure amie. Je jouais partout et tous les jours 1 heure, le minimum pour être un bon instrumentiste. Je déchiffrais les partitions des chansons populaires. J'aimais la musique, les tonalités, les dièses, les bémols, les silences, les soupirs. Puis vint le temps des balles, les dimanches à vélo, à Champange, Laringe, Vinziers. Nous n'avions pas de scène, mais le rythme dans nos veines suffisait à emporter la foule venue chercher un peu de joie dans nos concerts. Moi qui n'avais comme horizon qu'un champ de pommes de terre, moi qui observais la Suisse de l'autre côté du lac comme un mystère, la musique était mon infini, dans le grave et dans l'aigu. Aucune limite. 70 ans plus tard, nous sommes ce soir très nombreux à venir célébrer le centenaire de la Voix de l'Aimant. Que de chemin parcouru, on s'entend. Mais ne nous y trompons pas. C'est la même passion qui anime chacun de nos musiciens. Les chefs qui se sont succédés à sa direction l'ont fait évoluer de clique à fanfare et enfin en harmonie, tout en conservant leur style et leur personnalité. J'ai une pensée pour Joseph Paria, pour Anselme Châtelnaze, bien sûr, mais aussi pour Guy Barnou, Marcel de Curnage, Santino Alberton, pour ne citer qu'eux. Vous pouvez constater que Christian Martin Cochet, qui la dirige depuis 2019 et qui est à la baguette ce soir, ne manque ni de style, ni de personnalité, et qui nous a concocté, comme à son habitude, un menu extrêmement exigeant et diversifié. Je voudrais saluer, au nom de tout le public présent, mais aussi au nom de la municipalité, tous les musiciens de la Voix de l'Aimant et les remercier de tout cœur de leur disponibilité, de leur assiduité et de leur passion. J'y associe bien évidemment les danseuses de la Valentine's Company, les choristes du Jardin des Sons, Doremi, Femme et Non Nobis, ainsi que notre cantatrice soprano Cindy Favre-Victoire. Merci à vous toutes et à vous tous.
de nous offrir votre talent et votre joie de vivre. Merci enfin à Emmanuelle Pain, petite fille de son grand-père, présidente de la Voix de l'Aimant, pour son talent de clarinettiste, bien sûr, mais aussi pour son engagement personnel dans la préparation de ce centenaire, malgré toutes les vicissitudes de la vie. Et merci au public, cher public, d'avoir répondu si nombreux ce soir. C'est à n'en pas douter la plus belle des récompenses pour nos artistes. Merci à vous tous et à vous toutes, et que la fête continue. Thank you.
Thaïlande qui raconte une belle histoire d'amour. Quoi de mieux que de belles chansons pour exprimer ses sentiments? Alors, si au cours de ces 100 ans, il y a eu quelques coups de gueule, moi, ce soir, je préfère évoquer avec vous les coups de foudre. Et ils ont été nombreux à la Voix du Léman. Et oui, la Voix du Léman a et reste une excellente agence matrimoniale. De nombreux duos se sont formés pour jouer leur vibrato au même tempo. Vous voulez des exemples? Jean-Yves et Nicole. Éric et Dominique, ils sont quelque part par là. Pascal et Jean-Luc, Christophe et Isabelle. Ouais. Patrick et Stéphanie et bien d'autres. Conséquence directe, la musique devient une histoire de famille. Aussi, à la Voix du Léman, au fil des années, il est habituel de retrouver des membres de la même famille jouer ensemble sur les rangs. Et ça se vérifie encore ce soir. On a Christian, notre chef, avec ses deux fils, Charlie et Guillaume, son cousin Thierry, son neveu Norbert. Il y a aussi Pierre et sa fille Luana. Gérard et son fils Robin. Guy et sa fille Aurélie. Christophe et sa belle-fille Justine. Elsa et son frère Arnaud. Manon avec sa sœur Eva et son frère Guillaume. Et pour moi, ma sœur Emmanuelle joue à la Voix du Léman et en est la présidente. Mon frère Thierry, Didier, mon cousin et mon fils Théophile font partie des choristes ce soir. Mais poursuivons avec une histoire d'amour tourmentée sur fond de rivalité dans le New York des bas quartiers. Voici West Side Story. Thank you.
allez vous parler d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. La voix du Léman, en ce temps-là, connaissait un franc succès lors d'un concours de fanfare sur RTL. Chaque jour, vers midi, Rimbazello, tube de la voix du Léman, retentissait sur les ondes. À cette époque, un disque 33 tours a été enregistré. La prochaine pièce est un extrait de la comédie musicale Les Misérables. Alors vous allez me dire, quel rapport entre RTL et Les Misérables? Eh bien, la comédie musicale Les Misérables faisait salle comble à chaque représentation. Comme la voix du Léman ce soir. Mon petit doigt m'a dit que les paris avaient été lancés dans l'équipe des organisateurs. Est-ce qu'on allait faire salle comble ce soir ou pas? Eh bien oui. Merci à vous tous d'être présents ce soir et surtout merci d'avoir fait perdre les parieurs pessimistes. Un siècle et toujours autant de succès. Quel talent, cette voix du Léman. Thank you.
Pour organiser un spectacle comme ce soir, on a besoin de beaucoup d'ingrédients. Des talents, des idées, du temps et de la motivation. Il faut que des personnes se mobilisent et se fédèrent. Il faut penser à 100 000 choses et garder un petit grain de folie pour pimenter tout ça et se faire plaisir. Mais il faut aussi un ingrédient essentiel pour que le résultat soit à la hauteur de l'événement. De l'argent, c'est donc le thème de la prochaine pièce, Monnaie Monnaie. Et c'est l'occasion de remercier chacun de nos partenaires pour leur soutien. Je vais les citer. La SIP, Société d'installation et de production d'énergie. Click and Go, Rose des Vents Fleuristes, les établissements du Boulot, l'entreprise Blanc Maurice, Décurlinge Fleurs, Digital Électroménager, les établissements Gédimat, Lombard, Evian et Tonon, Evian Sotheby's Immobilier, Cap Immo, les papeteries du Léman, l'entreprise Merrier, Rock Fermeture, les établissements Villegas, Chablais Habitat, Super U Enfion, les vêtements Raymond, la boucherie charcuterie Saint-Nicolo, la Sagrada Rance, l'entreprise Daza, l'agence immobilière Dutruel Immobilier. Un grand merci à eux pour leur générosité. Pendant l'entracte, la buvette sera ouverte et vous achèterez d'abord des tickets qui vous permettront ensuite de récupérer vos boissons. Vous verrez, c'est très simple. Et il faut boire en dehors de la salle. Donc vous buvez et après vous revenez. Voilà, c'est tout simple, mais vous ne trimballez pas vos canettes un peu partout. Place donc à ce dernier morceau avec l'ensemble des artistes réunis sur scène.
l'occasion de parler du rôle du chef d'orchestre, qui est le même que celui de coach sportif. Il motive, fait travailler, répéter les musiciens, les pousse, les tire, leur explique encore et encore. Chères danseuses et danseurs de la Valentine's Company, vos répétitions doivent être parfois physiquement dures. Eh bien, sachez que c'est pareil pour les choristes et les instrumentistes. Les répétitions sont des entraînements intenses qui demandent discipline, souffle et endurance et finissent inévitablement par mettre tout le monde KO, parfois même les oreilles du chef. Donc, en cette année olympique, je souhaite offrir ce trophée
difficile de reprendre après un tel moment. Bravo, hein. Wow, on peut les applaudir parce que franchement, magnifique. Hein. Faire partie de la Voix du Léman, c'est participer au Festival des musiques du Chablais. Je profite de saluer Patrick, là, qui a longtemps été président de la Fédération des musiques du Chablais. C'est organiser des concerts, animer la messe de Sainte-Cécile, la patronne des musiciens. C'est aussi participer aux commémorations patriotiques en France, mais aussi en Suisse pour le 1er août. C'est l'occasion de donner des concerts, parfois plus loin, Ferrières, Péage de Roussillon, la fête de la bière à Munich, Verdun, Fort-Calquier, week-end en Ardèche, promenade à Nice, Monaco, voyage à Barberino, Val d'Elsa en Italie, week-end à Niederbronn en Alsace. Des moments mémorables. La Voix du Léman est une association au cœur de la commune de Publier. Les animations des kermesses dans les années 80 marquent l'histoire de notre harmonie à l'encre indélébile. C'était la fête avec un grand F, tout un village en liesse qui vibrait au rythme des airs bavarois et des allobroges. Des soirées d'été extraordinaires. C'est donc tout naturellement que pour la suite de notre soirée, nous vous proposons un petit détour dans le monde de la nuit, le monde de la fête et du divertissement. Un détour au Moulin Rouge, à Paris, ville olympique. Thank you.
du talent. Pour certains, leur talent a permis de faire carrière dans la musique, d'autres auraient facilement pu en faire autant, et d'autres sont restés des musiciens amateurs, le mot amateur qui signifie qui aime. Alors c'est vrai, malgré l'investissement et les heures de travail, en plus des activités professionnelles et familiales, il reste parfois des fausses notes inopinées, des dissonances incontrôlées. Des canards, quoi. On a donc cherché une comédie musicale dont les personnages principaux étaient des volailles, et malheureusement, ou heureusement, on n'en a pas trouvé. Alors on s'est rabattu sur les félins. Il arrive parfois qu'un son d'instrument, ou même la voix d'une chanteuse ou d'un chanteur rappelle le cri d'un chat à qui on écrase la queue. Mais rassurez-vous, ce type de son n'est pas du tout noté dans les partitions de la prochaine pièce. À propos de chat, je vais vous raconter ma vie, je vais vous raconter un souvenir d'enfance. J'avais 11 ans, j'apprenais le bugle à la voix du Léman sur les rangs, et à chaque fois que je sortais ne serait-ce que la boîte du bugle, ma petite chatte, elle se carapatait de ma chambre, avant même que je sorte le truc, quoi. Mon père se moquait de moi en disant « Bah regarde, même la chatte, elle trouve que tu fais trop de canards, elle a peur de tes canards. » Quelques années plus tard, je continuais de répéter dans ma chambre, toujours avec le chat sur le lit, et là, la chatte restait paisiblement endormie. Donc moi, mon père, toujours en train de se moquer de mes canards, je vais le voir et je lui explique, ben voilà, je fais plus de canards vu que la chatte, elle reste endormie paisiblement. Et lui qui me répond, elle reste, car comme elle est vieille, elle est sourde.
2024 semble incroyable, mais à ses débuts, et ce jusque dans les années 70, la voix du Léman ne comptait que des hommes dans ses rangs. Ouh ! C'est Christine Blanc qui fut la première femme à intégrer les rangs en rejoignant Samy et Jean-Luc, ses deux frères. L'harmonie s'est alors féminisée progressivement dans tous les instruments, les bois, les cuivres et les percussions. Plus de sexisme à la voix du Léman. Femmes et hommes sont au diapason. L'égalité homme-femme était dans le combat d'Evita Perón, femme argentine politique engagée. C'est Cindy qui va incarner cette femme extraordinaire
avec une voix tout aussi extraordinaire. Direction l'Argentine de l'après-guerre. Thank you.
joyeux anniversaire. Ça correspond. Merci. Et ouais. Ça y est, c'est fait. La voix du Léman a 100 ans. Pour fêter ça, il fallait un spectacle à la hauteur de l'événement. La musique est une histoire d'amitié et de partage, tout simplement. C'est pourquoi nous avons invité nos amis choristes, solistes et danseuses, danseurs, à se joindre à nous pour partager ce moment. Nous vous avions promis un complet dépaysement. Aussi, j'espère que votre balade à Broadway se déroule agréablement. Voilà que notre concert touche à sa fin maintenant et que sonne déjà l'heure des remerciements. Alors commençons par le commencement, en remerciant toutes les musiciennes et tous les musiciens qui, au fil des ans, ont écrit à l'unisson un fabuleux roman qui s'intitule « La belle histoire de la voix du Léman ». Ils sont très nombreux, évidemment. Certains sont ici ce soir. Sans eux, rien d'étonnant. Nous ne serions pas ici présents. Merci à Monsieur le maire de publier un fantôme de l'opéra surprenant. Il est là, il est où ? À la municipalité qui nous a toujours soutenus financièrement. Merci au conseil régional ainsi qu'au conseil du département. Merci à David et au personnel de la Cité de l'Eau pour leur disponibilité de chaque instant. Merci à nos généreux sponsors pour leur engagement. Merci aux techniciens des sociétés vidéo, son, lumière et aux agents de sécurité également. Merci à Juliette, notre graphiste dans l'air du temps. Merci à Justine et à sa team pour avoir élaboré un décor carrément dément. Je crois qu'ils sont là-haut. Merci à notre incroyable équipe de bénévoles pour leur précieuse aide. Vous êtes tous épatants. Merci au comité de la Voix du Léman, Elsa, Aurélie, Romane, Odile, Sylvie, Eric, Bernard et Guy. Levez-vous. Pour avoir conduit ce projet, tambour battant, en bonne harmonie, malgré quelques contretemps, quelques moments de découragement qui n'ont pas duré longtemps, fort heureusement. Merci à ma sœur Marie-Vonne, une ancienne musicienne de la Voix du Léman, qui a présenté le spectacle avec sa bonne humeur et juste ce qu'il faut de piment dans une robe confectionnée par Julie, couturière de talent. Merci à Séverine, Valérie et Michel, fantastiques chefs de chœur, et Yvonne, présidente du Jardin des Sons, pour avoir répondu à notre invitation favorablement. Merci à vous pour votre investissement. Merci à nos nombreux amis choristes d'avoir accepté de chanter en anglais courageusement et formidablement. Merci à Joël et aux magnifiques danseuses et danseurs de la Valentine's Company. Vous nous avez transportés à Broadway avec grâce et élégance magistralement. Époustouflante soprano à la voix pure comme un diamant, ta présence rime avec envoûtement et enchantement. Merci à Séverine, Sylviane, Valérie, Pat Jack, Jérémy, Martial, Lenny, Rémi, nos talentueux renforts. Vous nous avez accompagnés brillamment. Bon, évidemment, un immense merci aux musiciennes et musiciens de la Voix du Léman qui ont su garder la cadence assidûment et sans relâchement. Un merci
tout particulier à notre chef, Christian, qui nous a concocté ce programme complètement décoiffant, passionnément et infatigablement. Alors, tu nous as mené à la baguette, sans compter ton temps, ton acharnement n'a d'égal que ton dévouement. Tels des sportifs de haut niveau, comme Marie-Vonne l'a dit, indiscutablement, nous avons suivi tes intensifs entraînements rythmés très occasionnellement de quelques coups de sang. Aussi, je pense que la performance est à la hauteur de ce que tu attends. Merci à vous tous, vous avez été très impressionnants. Sans spectateurs, pas de spectacle, assurément. Alors pour terminer, un grand merci à vous, très cher public, pour vos applaudissements qui résonneront encore longtemps nos cœurs tels de chaleureux encouragements. Par votre présence, vous nous prouvez votre attachement et pour nous, rien de plus important. Il nous reste maintenant à souhaiter un joyeux anniversaire à la Voix du Léman et bien sûr une longue vie éternellement. Et je vous dis rendez-vous dans 100 ans! Et bien sûr, un tonnerre d'applaudissements pour Emmanuelle, la présidente de la Voix du Léman. Avant d'écouter un joyeux anniversaire plein de fantaisie, j'invite à me rejoindre Séverine, chef de Dorémy Femme, Michel, chef de Non Nobis, Valérie, chef du Jardin des Sons, Joël, professeur en chef de la Valentine's Company, Justine, chef décoratrice, Marie-Vonne, présentatrice en chef, et bien sûr Christian, chef de la Voix du Léman. Et puis, il reste une personne à remercier du fond du cœur, qui s'est investi énormément dans la préparation de ce spectacle, qui n'a pas compté, qui a pas compté son temps pour les réunions, voilà, il gérait aussi toutes les commissions, et puis celle qui, à longueur d'année, fait en sorte que notre association se porte bien et tourne du mieux qu'elle peut. Je vous demande d'applaudir Manuel. Thank you.
De la Voix du Léman présents dans les tribunes pendant le bis, de venir vers les danseuses et vers les musiciens pour une photo. Venez tous, n'ayez pas peur. Et ça peut être une super photo de famille. À l'issue du concert, la buvette est encore ouverte. Et un grand merci pour votre présence ce soir. Et on se donne rendez-vous dans. Allez, le vieux sœur. Mets la caméra, bande d'ado. Thank you.
soirée à tous.